Je commence par démonter les patins, supports du drone. À présent, j'ai retiré les patins et la caméra. Je vais m'orienter maintenant vers les petites visseries ici, car la coque est moulée en deux parties. Voilà à quoi ressemble une demi-coque. J'ai donc retiré les protections des hélices. J'ai regardé également le sens de montage, j'en ai fait un petit croquis, des hélices. Je démonte les deux hélices restantes. C'est très très minutieux. Et voilà, la bête est démontée. Ah, c'est léger, mais c'est quand même solide. Les petits moteurs, les paliers, la partie électronique, le quartz, le condensateur. Maintenant, je vais essayer de voir s'il y a une soudure défaillante ou alors changer systématiquement le moteur avant gauche. Je vais remonter dans la foulée. Trop peur de ne pas réussir à le faire fonctionner à nouveau. Les fils d'alimentation du moteur avant gauche, rouge et bleu. Alors que si nous passons sur l'autre côté, fil d'alimentation noir et blanc. Voilà, c'est croisé. Je ne vois pas de grosses bêtises. Bon, je trouve que les soudures sont un petit peu médiocres ici, mais bon, je ne pense pas que ce soit. Puis vu le travail que c'est, j'ai envie de changer systématiquement le moteur pour être sûr du remontage. Là, que ça fonctionne au remontage. Apparemment, les soudures ne sont pas trop mauvaises. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Ici, c'est un petit peu à côté quand même. Bon, je vais continuer. Voilà, je viens de ressouder le bleu et le rouge sur le nouveau moteur. Je n'ai eu aucune difficulté à le remplacer. Je ne change pas les paliers parce qu'ils me semblent corrects. Je ne vois rien d'abîmé. En noir, on aperçoit l'antenne 2 GHz et ici donc le récepteur avec le quartz. Voilà le récepteur. Je vais attaquer la phase de remontage. Et voilà. Voilà, l'ensemble est remonté. Je n'ai pas serré trop dur la partie des petites vis dans le plastique, là, craignant de les foirer. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre sous tension. J'ai donc changé un moteur. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il brûlé? Alors là, à présent, télécommande sur marche. Voilà. Ensuite, le petit drone sur marche également. Ça, tout ça, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Et là, c'est toujours en train de clignoter. La commande ici également. On va attendre à peu près une petite minute.
Et après, eh bien, ma foi, ça va être l'essai. Je vais avoir du mal, je n'ai pas trois mains. Hein. Faudrait que je pose la caméra quelque part. On attend un tout petit peu, les manettes de gaz bien à zéro. Faudrait pas que ça démarre, le truc. Faudrait pas que ça démarre. Alors, je vais surveiller devant. Ça clignote toujours devant. Ah, il faut une minute. Hein. Il faut une minute. Ah, mais ça met du temps. Donc, je vais vérifier avec la manette de gaz. Je vais tenir ici, bien sûr, en dessous. Voilà. Un tout petit coup de marche avant, là, dessus. Ah, c'est bon. Donc, je passe sur 20, sur 25, 75. 125. Voilà, alors attention, j'essaye. Tout petit coup. Voilà, tout tourne. Voilà, doucement, parfait. Pour l'instant, tout fonctionne. Tiens, tiens, c'est marrant ça. Quand je le tourne, il change de position. Ah ben ça c'est marrant alors. Pas pourquoi. Ah marrant, hein. Bien. Et bien je vais couper le système. Voilà, ben je suis content. Ça ne m'explique pas pourquoi le moteur a lâché. Mais à présent, je vais pouvoir continuer à m'amuser avec ce merveilleux petit jouet.